Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sous Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant pays d'Haïti, Jean Saté annoncé diverses organisations politiques foulé béton, journée lundi 5 février 2024 là, dans l'idée pour exiger départ Premier ministre Ariel Henry qui n'a tête pays d'Haïti depuis année 2021, et bien qui t'en dit organisation ça qui pas mettre de l'eau dans bouche. Pour eux-mêmes, ils ont voyé parole Pimambouk sous Premier ministre pendant la police dit même beaucoup de parle d'avoir fait usage gaz lacrymogène et après gagner et bien ancien Premier ministre pays d'Haïti, ancien ministre Affaires étrangères Claude Joseph, même gens avec leader parti politique parti et petite Dessalines et Moïse Jean-Charles lui-même qui après victime tout en bas à vitalité police nationale là les ont après fait usage gaz lacrymogène contre manifestants qui t'a essayé garder si au capable aller devant la primatie mais qui t'en dit ou situation ça qui la cause gros bouche l'ouvri et objectif là li pas changer selon manifestants yo c'est une seule condition c'est départ Premier ministre Ariel Henry qui dans tête pays a et bien moun sa yo qui appuyé sous accord 21 décembre nan, côté Premier ministre nan te promettre pour organiser élection dans année 2020 23 et 7 février 2024 cap vin la pour te installer un président élu démocratiquement et bien ça qui pas arrivé fait dans sens ça diverses organisations ça yo même yo dit yo pas nan dialogue encore ak Premier ministre Ariel Henry yon seule condition c'est quitter tête pays a pour bay moun ki capable diriger et nan diverses villes situation li pas différent c'est le cas de ville Okaï côté la police t'a pral tiré balle réelle sous divers manifestants et en pile nan yo sorti blessé avec Silao qui perdit la vie en bas coup de balle la police nan deux et troisième ville pays a n'a parlé de ville Okaï et bien nan Inch département centre pays d'Haïti pral gagné yon zak brigandage qui fait en dans douane nan côté en pile moun envahi douane Sila et yo arrivé déchouquer tout ça qui en dans douane nan selon information qui rive jwenn nou et a même fait quoi à Jambé Sapio yo t'a participé dans zak Sila mesdames et messieurs et bien qui te dit mobilisation selon manifestants malgré zak intimidation ça yo pas camper selon manifestants avec leader yo qui ont même été sous béton côté yo t'a accompagné peuple là et ont mandé la police pour prendre conscience parce que bataille qu'a fait là c'est bataille tout le monde qui les mêmes liés mesdames et messieurs et faut que nous dire dans cadre dossier ça 7 février 2024 là gagné tout ancien avocat peuple là André Michel qui lui-même mesdames et messieurs sorti dans silence pour faire qu'on est et bien et pays d'Haïti pas capable encore et pas gain condition pour Ariel Henry quitter pouvoir sans que c'est pas élection pour organiser et bien citoyen lui-même qui mandé pour que et peuple la rejoigne Premier ministre dans un dialogue sans force côté pour que est capable gain élection qui organiser dans pays d'Haïti dans l'idée mesdames et messieurs pour un président élu capable installer dans tête pays d'Haïti dans année ou encore jou cap vinio et bien qui te dit ou dans international là mesdames et messieurs gagné vraiment et secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui rivait dans Proche-Orient précisément dans pays Arabie Saoudite dans l'idée pour capable joindre une entente avec divers pays qui l'autre bois pour regarder comment mesdames et messieurs ka camper guerre qui gagne entre Israël et militants Hamas qui la cause près de 10 000 moun perdu la vie dans eh bien gros bataille qui éclaté depuis 7 octobre 2023 dans Moyen-Orient côté autorité israélienne yo fait qu'on est yo pas abandonné tout autant yo pas éliminé état palestinien oui et quel que soit Jean Saïe autorité israélienne yo déterminé malgré moun k'ap perdu la vie yo tifi et kou grand moun ti moun c'est toute couche k'ap victime en bas et bien écoute zam l'armée israélienne nan Gaza et bien yo di yo pas abandonné toujours nan sa ki gen pouwe ak international la président
président Salvador qui c'est Nayib Bukele li arrivé et joine bénédiction peuple et Salvador là pour un deuxième mandat présidentiel après bon travail li fait dans pays Salvador précisément dans bataille contre bandi. Eh bien Nayib Bukele li joine yon deuxième mandat dans élection Salvador. Yo journée jodia n'a invité au rete sous la voix de l'Amérique pour plus de détails dans information ça. Présenter yon programme dans langue créole haïtien quelques nan grand point cap dominé actualité. Actualité à dans pays d'Haïti, la police gaye à gaz lacrymogène, mouvement levé campé anti-gouvernemental dans moment pays a avancé dans direction date 7 février. Actualité internationale, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rive jodi lundi à dans Arabie Saoudite dans cadre d'un virerond dans région Proche-Orient dans l'idée pour joindre une trêve dans guerre israélo-hamas là. Dans pays Salvador, président Nayib Bukele, 42 ans réélu après une victoire historique dans l'élection présidentielle. Mesdames, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer au pays d'Haïti. C'est un pile levé campé contre gouvernement. Il y a un pile manifestation qui fait jeudi. Et dans le moment où on a parlé là, il y a une manifestation qui fait et il y a un pile et leader qui n'a tête manifestation, notamment il y a Moïse Jean-Charles et Claude Joseph, ancien premier ministre là. Donc c'est un gros bail à chauffer dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti et plus dans plusieurs autres villes pauvres. C'est comme ça, bonheur matin, la police est écrasée en sitting, parti politique aidé est annoncé devant primature là. Nous avons une réaction ancien premier ministre Claude Joseph qui est leader aidé. Vous remarquez, manifestation pour commencer, la police tirée à balle, vous voyez gaz, moun blessé. Dans l'idée, vous pensez que vous avez fait back. Nous pas fait back, nous pas délivrer le message là devant primature pour dire Ariel Henry 7 février, pas de route pas bras. Parce que bilan, c'est plus que 5000 morts. Bilan, c'est assassinat. Bilan, c'est instrumentalisation de la justice. Bilan, c'est vol, viol. Bilan, c'est kidnapping. Bilan, c'est 5 millions de monde qui pas à manger. Donc c'est ça qui est bilan Ariel Henry. Okay. Est-ce que vous pouvez raconter pour intimider manifestants pacifiques? Donc quoi que c'est bien compté, mal calculé. Vous pouvez raconter quelque chose? Nous prêts pour nous délivrer message là devant vous, Mathieu. Donc c'était ancien premier ministre Claude Joseph qui tapait parler dans micro VOA Créole après que la police était gaillée à gaz lacrymogène alors que il était un sitting que il était annoncé devant prix Matula. À niveau d'Elma même la police gaillée une manifestation qui était prend direction Pétionville qui était gagné en tête entre autres Rosemont Jean en gardé. C'était une idée de ambiance là dans Delma alors que t'es une manifestation et la police t'es gaillé manifestation ça à gaz lacrymogène. Il y a plusieurs leaders qui prennent plusieurs têtes manifestation, par exemple il y a leader parti politique Petite Dessalines et ancien sénateur Moïse Jean-Charles Tour, il était dans tête une manifestation. Il était parlé avec VOA Créole dans micro et devant caméra correspondant nous Massado Vilmé avant même que manifestation ait commencé. Oui, attendez bien, hier nous étions témoins, façon gouvernement de facto, attaquer nous avec la population, ensemble avec les journalistes. Nous avons pensé, depuis qu'on attaque nous, c'est le mouvement. Au contraire, les attaquer nous, c'est gasoline, nous mettons la mobilisation. Où est-ce que ça passe? Même plus encore aujourd'hui avec Haïtien. Les Haïtiens, l'attaquer nous, ce n'est pas sécurité pour nous, non.
c'est pas médicament maintenant dans l'hôpital, c'est pas démocratie pour nous. Mais nous remarquons, c'est étranger qui prend le pays à nous. Nous remarquons, c'est répression qu'a fait pour Alain-Henri rester dans le pays. Alain-Henri était pas d'espoir pour nous encore. Allez vous l'aller, population. Allez vous l'aller, allez vous l'aller, allez vous l'aller, allez vous l'aller, allez vous l'aller. Est-ce que c'est Alain-Henri était n'a joué l'hôpital pour aller? Non. Est-ce que si elle a arrêté, n'a pas joué la sécurité? Non. Est-ce que si elle a arrêté, n'a pas joué l'université pour dire mon nom? Non. Est-ce que si elle a arrêté, la vie a baissé? Non. Eh bien, qui s'en est? Donc c'était leader parti politique et Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui était dans le commencement manifestation. Qu'on a nous allons rejoindre manifestation qui j'ai été n'importe où. Donc c'est ça, c'est Jodia, et dans le moment on a parlé là, gagné manifestation qui continuait, côté que eh ben manifestants yo mette barricade, yo boule caoutchouc. Mais hier tout est gagné manifestation anti-gouvernementale, côté manifestants yo t'a demandé départ Premier ministre Ariel Henry, et nous pral tande tout quelques déclarations, quelques manifestants. C'est pour qu'il y a toujours Mayani, pour qu'il y ait des polygones, que les policiers dans le chat ont passé pour $20,000 américains. Et là, il veut être pays pour les gens qui ont toujours violé dans le pays. Et là, il veut être pays pour les États-Unis, le Canada, la France, qui ont vite volé les ressources minérales. C'est ça que nous avons dit. Nous disons, à partir de jeudi, c'est ça, on est dans le stade. Mais deux, mais si tu veux, il y a des gens qui sont en bataille, ou pas besoin de prendre la rue. C'est deux jours nous gagnons pour nous prendre destin Haïti en main. Nous devons voir à partir de 7 février, 6 février à 11h59, Ariel doit remettre les démissions là. Parce que par rapport avec mécontentement population, par rapport avec désaccord population, par rapport avec ras-le-bol population, et je dis qu'il y a une nécessité pour que toute, chaque grain haïtien conséquent dans le cadre de l'IA lever campé, pour défendre le droit, pour faire l'autre libération, pour faire l'autre révolution. Parce que même si nous devons 1804, même si nous devons 86, Jodia, même si nous devons 2004, et bien Jodia, en 2024, il va falloir que le peuple prenne des scénarios, parce que pas de monde qui a pensé pour lui, son peuple qui vit dans la misère, dans la crasse, dans l'insécurité généralisée. Donc c'était une idée de manifestation qui était déroulée hier dimanche là pour demander départ Premier ministre Ariel Henry. Mais gagnent yon proche gouvernement qui c'est yon membre accord 21 décembre nan. En parlant de maître André Michel, il dit que le Premier ministre Ariel Henry pas démissionner l'a gain pour organiser élection, parce que pas de gain élection en 2023 à cause problème insécurité à Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. L'avenir, c'est le dialogue. L'avenir, c'est la sécurité. L'avenir, c'est les élections. Maître André Michel, une figure emblématique à COP 21 décembre 2022, dit dialogue politique là, pas campé. Dialogue là a continué entre protagonistes
dans le acteur dans la société civile et le Premier ministre Ariel Henry impliqué au premier plan dans le processus dialogue ça. Maître André Michel qui voulait rassurer la population à la veille 7 février 2024 qu'approche là, date qui prévoit pour un gouvernement élu remplacer le Premier ministre Ariel Henry, souhaitait joindre une entente avec l'autre acteur. Lui dit 7 février, c'est une date en cours toute date. Pas de passation pouvoir parce que pas d'élection en bon pays à cause de violence gang armée. Bon processus de dialogue qui est engagé. Moi, espérer avant longtemps nous joindre une entente pour nous monter un gouvernement unité nationale, j'en nous souhaitais, pour nous élargir HCTA, mettre plus de monde là-dedans, balle plus d'attribution, pour nous monter un conseil électoral sans fausse côté, pour nous faire révision constitution, hein, pour nous aller à l'élection pour le peuple a choisi qui est-ce qui pouvait nous diriger. Maître André Michel dit l'obtention mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour aider combattre gang armée pour être capable d'organiser l'élection dans le pays. Si ça fait nous-mêmes nous dit, nous supporter force internationale là, c'est lui-même qui pouvait aider la police, mettre l'ordre dans le pays à craser gang pour conditions créées pour l'élection faite. Non seulement pour l'élection faite, mais pour monde qui quitte caillou tout dans la caillou, pour monde qui a un business fermé capable de relouvrir business yo, pour monde capable de sécuriser dans le pays pour toute activité reprendre. Son vérité, il est impossible jodi à là pour dire on fait élection non climat d'insécurité avec ces gangs qui contrôlent le pays. En tout cas, opposition politique là à travers mobilisation dans la rue réclamer démission pour le ministre Ariel Henry. La tête pour la tuile, 7 février 2024. Il y a un dossier à suivre. Renan Toussaint, ou VOA Créole. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Nous continuons à recevoir toutes les images qui sont dans le pays d'Haïti. Puis précisément dans Port-au-Prince, côté que eh ben, la rue est chargée avec caoutchouc qui a boulé et puis il y a une roche dans la rue. Et la police a essayé de retirer la roche, a essayé de retirer caoutchouc. Cap boulé ou souvé ou à créole actualité à la région Moyen-Orient dans un petit moment. Et oui, guerre Israël-Hamas là a continué, donc c'est ça qui fait actualité à la région et Moyen-Orient et gen chiffre cap sorti, moun a mouri pendant ce temps, gen négociation cap fait pour essayer d'être capable de joindre une nouveau trêve dans combat qui existait entre Hamas avec l'armée Israël là en mise à jour avec Gentil Augustin Junior. La Maison Blanche dit hier dimanche 4 février ya, problème humanitaire dans Gaza pral yon pi gros priorité pour secrétaire d'État américain yon Anthony Blinken pendant voyage li nan région. Pendant ce temps, premier ministre israélien yon Benjamin Netanyahu te di force israélien yon nan ville la te neutralise tunnel Hamas qui traverse Gaza qui permet messe armé yo caché et puis lancer embuscade. Objectif qui nécessaire, c'est premièrement éliminer Hamas. Pour réaliser objectif ça, trois bagages nécessaires. Premièrement, renverser bataillon Hamas. Joune jodi a, nous renverser 17 bataillons sur 24. Puis fòn nan res bataillon yo nan sid région Gaza ak Rafa. Et nous pral rive sou yo tout. Pendant ce temps, plusieurs centaines supporters outils te organisé yon parade militaire dimanche 4 février ya nan solidarité ak Gaza nan protestation contre attaque aérien États-Unis ak Grande-Bretagne sous site outi yo. Jodi ya nan mitan soumission ak humiliation k'ap fè ravage nan nation arabe ak islamique la ak sa nou wè nan agression, siège, génocide ak yon blocage médical sou frè nou yo nan Gaza, citoyen Yemen yo, Tribili yo, Zamli yo ak Messie li yo ap préparé pou fè face ak agression sa. La guerre ap intensifié nan région Gaza. Population Gazaoui a pa gen l'espoir si tout depi apre pi gro donateur yo coupé financement, les Israël te akize Agence Humanitaire Nations Unies Palestinien UNRWA
comme quoi li t'a participé dans attaque 7 octobre là dans pays Israël. Nous a demandé président États-Unis pour aider moun nan Gaza. Voyez aide. Li ka wè situation ici là nan Gaza à qui jan la vie a difficile. Et qui gentil moun yo manke manje ak glo. Au lieu pour yo aider Israël ak roket ak bom yo, li ta doué aider pep Gaza et puis wè ki jan li difficile pour yo joine yon plat manje au soir yon pain. Ministre Affaires étrangères français a Stéphane Séjourné mandé pour finir ak tragédie nan Gaza nan ville Jérusalem jodi lundi 5 février ya pendant visite 4 jours li nan région. La tragédie en cours à Gaza doit cesser, nous réclamons le respect du droit international humanitaire par tous, un cessez-le-feu immédiat et durable et une entrée massive de l'aide humanitaire. D'après autorité Gaza, plus passé 27 000 Palestiniens déjà mourir dans l'attaque l'armée Israël. L'armée Israël la souvent paldi, li perdi 226 soldats dans Gaza depuis 1200 moun te mouri ak 240 otages te prenne attaque à Hamas 7 octobre là qui te précipité la guerre. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Pendant ce temps, il y a un secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui trouve l'autre fois encore dans la région Moyen-Orient avec deux objectifs. Premièrement, joignons l'autre trêve dans le combat qui existait entre l'armée israélienne avec Hamas et puis négocier otages qui n'ont même militants Hamasio en allant à Pipré. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken rive jodi lundi à l'Arabie Saoudite dans le cadre d'un viron dans la région Proche-Orient qui a pour objectif encourager une autre trêve dans l'affrontement mortel entre Israël et militants Hamas dans la région Gaza. Avion chef diplomatie américaine atterri dans Riyad dans la première étape 5e voyage dans la région depuis le commencement de la guerre dans la date 7 octobre 2023. Après l'Arabie Saoudite, M. Blinken a gagné pour aller Qatar, en Égypte, en Israël et dans Cisjordanie qui est en bas occupation. Pendant ce temps, même lundi, le ministre israélien pour sécurité nationale a critiqué l'administration Biden dans l'ouverture de la réunion partie là dans Knesset, donc le Parlement israélien dans Jérusalem. Il a précisé aide Washington n'est pas assez. Au lieu pour porter soutien le banou, Biden plutôt a fourni assistance humanitaire à carburant by Gaza qui a joint Hamas. Ministre a même dit si c'était ancien président Donald Trump qui était sous pouvoir, comportement États-Unis tap différent. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu réagit sous déclaration ministre là pendant les saluer zami américain yo et les rappeler Israël a prend propre décision. Nous pas besoin aide pour nous connaître qui gens pour nous mener relation nous avec les États-Unis et avec la communauté internationale. Premier ministre israélien qui t'a parlé comme ça dans coulisses yon réunion à tribunal la Galia dans Tel Aviv précisé Israël a prend propre décision même les amis américains yo pas d'accord avec elle. Alors que la guerre a entré dans 5e mois le mercredi k'ap vin là, gen 128 moun en majorité yo paquet filles, ti moun ak grand moun mouri dans 24 heures d'après ministère santé Gaza que Hamas a dirigé et qui annonce tout gen plus passé 27 000 moun qui t'a mouri dans Gaza depuis la guerre a commencé. Agence l'ONU pour réfugiés palestiniens, UNRWA, accusé l'armée israélienne qui t'a lancé une frappe navale sur un convoi aide humanitaire qui t'a paré pour entrer dans la partie nord région Gaza. Et secrétaire d'État américain, déjà en parlant de Anthony Blinken, il a déjà fait et plusieurs rencontres déjà dans la région Moyen-Orient, qui a mené plusieurs l'autre côté, et il pourrait quitter Riyad s'il pas quitté déjà. Et puis, il a quitté Moyen-Orient pour aller dans l'Amérique latine. Le peuple salvadorien a célébré hier dimanche là et a assuré pour réélection Nayib Bukele comme président payant avant même que ait annoncé résultat officiel élection Sayo. Et Valérie, c'est lui. Pep salvadorien te débarqué sous place centrale capitale là hier dimanche dans Assoué pour célébrer réélection Nayib Bukele comme président pays a même avant que yo te annoncé résultat officiel yo. Deux heures de temps après que bureau vote yo te fermé et puis sans que pa gen aucun résultat officiel qui te annoncé, Nayib Bukele te posté un message sous plateforme X là pour dire et n'a cité d'après chiffre nou yo, nous te gen élection présidentielle là avec plus passé 80% dans vote yo, avec un minimum de 58 dans 60 députés dans l'Assemblée. C'est un record dans toute histoire démocratique monde là. N'a pas à 9 ans à souhait devant Palais national là.
Et c'est comme ça pour tout bon vrai que yon foul moun te répond à invitation Bukele à sous place là, devant palais à côté que le te campé sous balcon palais national là. Il te dit que pays a te fait l'histoire, malgré que c'est seulement résultat partiel yo et préliminaire qui te sorti. Tribunal Cyprien électoral là te commencé à partager résultat partiel préliminaire yo aux alentours 9h du soir hier dimanche. Avec résultat vote yo qui sorti dans 31% bureau vote yo qui te déjà compté. Bukele te gen plus passé 11 fois quantité valeur vote l'autre candidat concurrent lien qui pi prel dans l'élection, qui li même sorti dans parti Front Libération Nationale Farabundo Marti. Officiel électoral yo dit dans une conférence pour la presse que système vote yo te fonctionné jan yo te espéré et puis sans problème. Naïb Bukele, pendant que le tap parlé à peuple là depuis balcon palais national là, li te décrit propre tête li comme un dictateur qui pi fré et qui pi chelbe dans monde là. N'a pas rappelé que le devine gagne une grosse popularité à partir de façon brutale qu'elle t'écrasé en pile gang dans pays Salvador, côté que yote arrêté plus passé 1% dans population pays. Depuis le mois mars année 2022, administration Bukele a arrêté plus passé 76 000 moun qui t'a supposé bandit, membre gang, qui t'a commencé à faire des blousailles, mettez gros insécurité dans pays. Hier dimanche, en pile moun qui t'a voté, t'a exprimé volonté yo pour abandonner quelques principes démocratie. Si ça t'a dit, puis yo t'a kebe gang yo en bas code, dans prison. Opinion publique a été critiqué arrestation massive ça yo peut-être un manque de procédure judiciaire mais peuple salvadorien est arrivé reprendre contrôle quartier yo qui eux même t'est tombé en bas contrôle gang yo depuis longtemps d'après plusieurs observateurs Naïb Bukele by peuple salvadorien yo gros souffre en bas insécurité gang yo et ça ta une raison qui fait que en pile monde t'a voté pour lui pour le retourner comme président pays Salvador pour VOA Creole Valerio Saint-Louis New York et puis ici aux États-Unis 2024 là son année électoral. Donc, année électorale ici aux États-Unis, nous avons élection primaire avant élection générale qui vient pour dérouler 5 novembre année ça donc 2024 là Jean-Robert Philippe pour un point dans actualité électorale là, ici aux États-Unis. Retourner dans la Maison Blanche lundi 5 février après fin mené campagne dans Las Vegas, Nevada, dimanche 4 février. Visite ça déroulé deux jours avant Parti démocrate là organiser élection primaire mardi 6 février dans l'État Nevada. Président chanté louange pour dossier économique li pendant li profiter lancer une série d'attaques contre ancien président Donald Trump qui est capable rival républicain li dans l'élection présidentielle novembre 2024 là. Donald Trump knows the economy we build is strong and getting stronger. He knows. That while it's good for America, it's bad for him politically. Donald Trump connaît l'économie nous construit à Diam et il continue à Diam toujours. Il connaît l'économie bon pour États-Unis, mais il n'est pas bon pour lui politiquement. Trump déclaré si il y a un président qui ne peut pas remettre en cause, c'est Herbert Hoover. Moins il y a une mauvaise nouvelle pour lui, il est ou c'est une parmi deux présidents dans l'histoire des États-Unis, ensemble avec Herbert Hoover, qui quittait le pouvoir sans pas créer de travail. Herbert Hoover, oui. Donald Herbert Hoover Trump. Ça fait 4 ans, président Biden a remporté une victoire tout mince dans l'État Nevada devant Donald Trump avec plus de 33 000 voix. Sondage d'opinion a montré une deal entre deux candidats à Nessa capable de serrer. Concernant l'élection primaire État Nevada, mardi 6 février, deux autres candidats qui n'en course pour nomination Parti démocrate là, Marianne Williamson, qui c'est un écrivain, avec député Minnesota Dean Phillips, papé Jérélou dans balancement devant président sortant Joe Biden. Président Biden a participé dans l'élection primaire Nevada, après s'être remporté l'élection primaire Caroline du Sud devant deux rivales Lio. Président Biden a gagné avec lui, en plus de Madame Lee, Jill Biden, vice-président Kamala Harris avec deuxième citoyen pays Doug Emhoff. We can't, this is not just a campaign, this is more of a mission. Dans déclaration li fait devant supporter lieu après victoire, président Biden dit c'est pas une campagne seulement, li plus que une mission. Nous pas capable perdre campagne là pour bien pays a. Parti républicain a organisé élection primaire même jour dans Nevada donc mardi 6 février, mais ancien président Donald Trump pas participé. Li préféré participer dans caucus État Nevada organisé 8 février. Rival ancien président Trump là, ancien gouverneur Caroline du Sud là, Nikki Haley, toujours dans course pour nomination parti républicain. Républicain a organisé élection primaire dans Caroline du Sud 24 février qui va venir là. Jean-Philippe VOA Creole Maryland.
Donc, rete branché sous VOA Creole pour capable gagner toutes dernières informations sous élection ici aux États-Unis. N'a prêté toujours ici aux États-Unis pour nous gon mise à jour sous ça qui a passé sous frontière et frontière que États-Unis partagé avec Mexique. Nous voilà dans zone Texas avec Sandra Lemaire. Gouverneur Texas là, Greg Abbott, tourne dans Eagle Pass qui situé sous frontière Mexique là, pour mettre accent sur tentative là fait pour réduire quantité migrants qui a traversé entrée illégalement aux États-Unis. Abbott te gagne avec lui dimanche après-midi, plus passé une douzaine l'autre gouverneur républicain. Yo tout te bat bravo pour défi extraordinaire il mettait devant administration Biden là sous question renforcement loi immigration. Half of the governors of the United States have joined with Texas in our cause to make sure. Les moitiés gouverneurs américains ont porté collé à Texas dans cause n'a défendre pour assurer état yo qu'a fait tout ça qui possible pour sécuriser frontière nous. Abbott te remercie gouverneur républicain pour support yo et puis réitérer déclaration li te fait plusieurs fois pour dire gain yo invasion qu'a déroulé sous frontière sud là. Monsieur cite tout un passage dans la Constitution que li di ba li droit légal pour défendre état Texas. There are people on the terrorist watch list that are apprehended all the time coming across the border. Li di gen moun ki sou liste terroriste la ke yo arrete tout tan pandan ap eseye travesse frontière. Moun sa yo paye l'ajan extra pou yo pa mete yo an bakòd. États-Unis a président pa konnen konbyen moun ki travesse frontière illégalement ki sou liste terroriste la ke nou pa menm jan mwè. Yo pa konnen ki danje kap menase nou an bachal. Chiffre record moun ki travesse frontière reprezante yon gros problèm politik pou président Joe Biden. Année ça qui c'est une année électorale. Président Actokai Mexicain li Andrés Manuel López Obrador t'a discuté sous effort conjoint y a fait pour contrôler migration hein, pendant une conversation en téléphone samedi. La Maison Blanche dit Biden t'a remercié Mexique pour su poli avec mesure il prend pour freiner migration illégale là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc question frontière, question immigration, eh bien très présent dans actualité politique là aux États-Unis. Faut dire que c'est li présent tout dans pays et Mexique qui lui-même tout pral nan élection. La justice dans pays l'Espagne tanmen yon procès contre ancien défenseur équipe FC Barcelone en bas accusation agression sexuelle. Serge Rodriguez a dit nous plus. Cossé, ancien défenseur équipe RC Barcelona, ensemble avec une équipe dans le Brésil, Dani Alves, tanmen jeudi lundi 5 février, dans le pays l'Espagne, en bas accusation agression sexuelle. Accusation gen pouvoir avec une attaque qui était faite sur une dame dans une boîte de nuit dans la ville Barcelone, dans le mois de décembre 2022. Autorité espagnole a posé arrestation à M. Alves, en date 20 janvier 2023, et jusqu'à présent, il est toujours fermé dans la prison. Si la justice en Espagne reconnaît les coupables, footballeur 40 ans capable de piger une sentence entre 4 ans et 15 ans en prison. Ancien défenseur FC Barcelona, pas suspendu, d'abnanté d'accord pour entrer dans une relation sexuelle avec lui et que ses patrons bagages étaient forcés le fait. Sous bon pali, un procureur en Espagne a préclamé une sentence 9 ans pour accuser. En même temps, il demandait pour la justice émettre une loi de camper loin pas approché, c'est-à-dire pour M. Alves pas passer sous même route avec Damnan après les fins pigées peine prison l'IA. Et en plus de ça, il doit payer Damnan dommages et intérêts qui m'ont arrivé dans plus passé 164 000 dollars américains. Dani Alves, c'est un joueur qui fait plus succès dans le domaine football ballon rond, côté il ramassait déjà plus passé 40 trophées pendant carrière, trophées il ramassait pour pays Brésil et divers clubs professionnels européens, tant que FC Barcelona, Sevilla, Juventus de Turin et Paris Saint-Germain. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez, nous pratiquement arrivé dans fin programme nan. Un plaisir comme d'habitude pour n'avoir pour nous présenter actualité dans langue créole haïtien et puis gros nouvelle là en Haïti, c'est en pile levé campé qui fait manifestation anti-gouvernementale alors que pays a approché bon 7 février qui c'est une date mon en français on dit une date charnière, une date fatidique, c'est une date que normalement que t'as dû gagner passation de pouvoir. Et donc en pile levé campé qui fait et la police crasé plusieurs là-dedans à gaz lacrymogène, t'es gagné une manifestation qui t'es gagné dans tête
et ancien premier ministre c'est Claude Joseph et gagnon l'autre qui était gain tout et leader petit Dessalines Moïse Jean-Charles et ben gain gaz lacrymogène gain monde qui courir et puis dans moment on a parlé là gain en pile caoutchouc cap boulé puis wash dans la rue plusieurs côtés notamment dans Delma. C'est là nous mettait fin dans programme là et puis gagné prince Charles III lui-même roi Charles III plutôt qui lui-même a souffri avec cancer son gros nouvelle qui sorti dans la Grande-Bretagne n'a suivi de très près. Moi c'est Jacques Belizère. Bonsoir Franklin, bonsoir Fred Kaimit et bonsoir Gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Belizère.